Donc, bonjour, on est en direct de la conférence de l'OIDP 2017. On est ici avec Luc Godet qui vient d'animer un atelier sur le théâtre législatif. Oui. Donc, on se rencontre pour découvrir cette pratique un peu plus. Donc, qu'est-ce que le théâtre législatif en fait? Le théâtre législatif, c'est d'abord du théâtre, donc mené souvent, le plus souvent par des personnes non professionnelles dans le domaine artistique qui racontent leurs histoires de vie avec des moyens simples de théâtralisation et qui présentent ça devant un public de citoyens, citoyennes, de concitoyens, concitoyennes et qui invitent particulièrement des décideurs institutionnels qui sont concernés par cette problématique-là, puisqu'ils ont un pouvoir d'agir à un niveau plus structurel qui peut aider à déconditionner la vie des gens, si on veut. Ouais. Donc, c'est une espèce de mix entre la culture théâtrale populaire ou théâtre de participation et la culture presque parlementaire, mais rapprochée des citoyens. Ouais. Donc, on parle même c'est Augusto Boal qui a instigé un peu ces pratiques-là, d'une mesure transitive entre la démocratie représentative et la démocratie directe, si on veut. Donc, voilà. C'est une belle exploration. C'est une zone intéressante à découvrir. Oui, mais justement, je crois qu'il y a peut-être des gens qui sont plus familiers avec le terme théâtre participatif. Oui. Donc, en quoi est-ce que le théâtre législatif est différent du théâtre participatif? Oui. C'est une forme de théâtre, une forme participative de théâtre, mais là où elle se distingue de ce qu'on a beaucoup connu ou plus pratiqué au Québec et dans plusieurs pays, le théâtre forum, où on fait participer les membres de l'auditoire, oui, qu'on appelle des spectateurs. On veut les faire venir sur scène pour essayer de résoudre les impasses qui sont théâtralisées. Là où ça se distingue, en fait, je devrais dire que souvent dans cette forme-là, plus développée, on cherche souvent des pistes de solutions individuelles. Alors, on essaie de trouver la marge de manœuvre que l'individu peut utiliser pour mieux communiquer, mieux défendre ses droits, mieux s'affirmer, trouver des alliances, mais souvent des opportunités qui sont plus contextuelles. Et ça va fonctionner pour lui ou elle, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour tous. Ouais. Donc, l'ajout qu'on fait, c'est vraiment avec le théâtre législatif, c'est qu'on invite les législateurs à venir se saisir des problèmes, se saisir aussi à travers le forum théâtral des limites de l'action individuelle. Donc, on constate tous que dans le fond, on peut faire quelque chose, mais pas encore assez. Et c'est à partir de là qu'on ouvre le questionnement avec tout l'auditoire de citoyens, d'aviseurs qui sont des conseillers et de décideurs. On ouvre une recherche de pistes de solutions. Et là, c'est plus une assemblée délibérante où il y a des propositions qui sont mises à l'écrit, une synthèse de ces propositions qui sont faites. Et les décideurs, en bout de parcours, sont invités à venir s'engager à énoncer un engagement qu'ils seraient prêts à prendre, qu'ils estiment qu'ils sont prêts à défendre dans leurs instances. Et on soumet cet engagement-là de façon symbolique, mais quand même indicatif, à l'Assemblée. On compte le nombre de votes pour, contre et les abstentions ou le vote blanc en Europe s'il y en a. Et puis après ça, on tire nos conclusions de ça. Alors, si ça passe de façon majoritaire et claire, bien, ça donne un air d'aller aux décideurs. Si c'est mitigé, bien, on pose la question pourquoi. Et à partir de là, on essaie de voir s'il y a des amendements qui peuvent être apportés à cette proposition-là ou comment on pourrait la retravailler autrement à un autre moment ou dans les mois qui viennent. C'est un élément déclencheur pour permettre ce dialogue-là entre citoyens et décideurs, mais autour du pouvoir de dire, et c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire dire j'ai peut-être un pouvoir de co-législateur. Tu sais, et c'est magnifique de voir des gens qui sont des fois troublés dans leur démarche, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et à défendre leur point de vue, de voir qu'ils peuvent parler à des gens qui ont un pouvoir de décision dans une même soirée, peuvent être en côte à côte, échanger. Il y a du réseautage qui se fait comme on fait ici d'ailleurs, mais ce n'est pas toujours ouvert à tous. Donc, le fait qu'on crée un espace convivial où on raconte une histoire vécue, tout le monde est regroupé autour de ça, il y a vraiment un esprit de collaboration, je dirais, qui est assez surprenant. Ouais. Ouais. Et
en vous entendant parler de ceci, le laps de temps. Oui. On parle d'une soirée, on parle de travail en amont. Oui. Le temps de préparation est important parce que, ça se fait en partenariat, donc avec différentes organisations, en tout cas les expériences qu'on a menées jusqu'à maintenant. Oui. Donc oui, on parle de 3-4 mois minimum en amont pour faire de la recherche d'histoire, mobiliser les participants aussi. On sait, on a tous les mêmes difficultés avec ces questions-là. Oui. Donc il y a des défis à ce niveau-là. Impliquer des aviseurs qui connaissent bien les systèmes pour, dans un premier temps, conseiller en fait les acteurs qui racontent leurs histoires sur quelles pistes ils peuvent emprunter. Est-ce que l'information, selon leur point de vue, où ils l'ont peut-être vécu comme personnes qui ont vécu la problématique, mais des fois, soit père aidant ou soit professionnel, oui. ils ont plusieurs regards, oui, qui se rapprochent de celui des gestionnaires. Ils connaissent plus les contraintes et les possibilités des gestionnaires. Donc, ils jouent un rôle d'aviseur, faire le pont. Oui. Et au moment de la soirée même, on les interpelle aussi pour faciliter ce lien-là. On essaie de favoriser des communications directes entrer dans le dialogue, ouais, c'est ouais. Ça, de façon directe, mais pour faciliter, activer le processus, les aviseurs prennent les recommandations des membres de l'auditoire, les analysent, les structurent et les discutent avec les décideurs. Et bon, on a découvert dans la pratique aussi que c'est important que ce temps-là se fasse à huis clos, oui, pour pas que les décideurs viennent éteindre tout de suite les idées les plus innovatrices ou des fois un peu décalées ou créatrices. Oui. Voilà. Donc, ce temps-là et l'après aussi. Donc, après l'événement, c'est le début de quelque chose. Démarches. Et on a besoin d'avoir en fait des systèmes locaux d'observatoire, si on veut, pour voir comment évoluent ces recommandations ou ces engagements-là. Des fois, définir l'application, mais idéalement avec des citoyens qui se portent volontaires le soir même à dire, ben nous, on accepte de suivre ce dossier-là pendant quelques temps. Fait que les expériences qu'on a menées, entre autres dans les deux dernières années à Mulhouse, en Alsace, en France, démontrent qu'il y a des avancées qui se sont faites là, grâce à ce travail de suivi-là. Et voilà, donc on peut penser que c'est ça, c'est un processus de minimum 1 an, 2 ans, 3 ans même avant que peut-être des réalisations se produisent. Mais on pense qu'en instaurant une espèce de rituel sur un territoire régulier, où sont reposées des questions fondamentales pour les citoyens et on repose ce dialogue-là, ben on instaure une culture d'échange plus direct et puis on réapproprie le sens de citoyenneté. On ramène le pouvoir, ouais. Oui, c'est ça, c'est ouais. Ça. Wow, ben écoutez, merci beaucoup. Il y a tellement de choses à couvrir pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus sur le théâtre législatif. Vers où est-ce que vous pourriez nous diriger? Bon, il y a différents ouvrages, mais je pense qu'en faisant dans nos moteurs de recherche, la recherche sur le théâtre législatif, on peut découvrir différentes pratiques. À Montréal, au Québec, on a l'équipe Mise au jeu à laquelle je suis associé depuis plusieurs années, qui a documenté un peu cette pratique-là et certains cas. Jusqu'à nouvel ordre, ça peut être consulté. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Miseaujeu.org. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci, Luc. C'est moi qui te remercie. Et puis, on se revoit pour une prochaine entrevue.